L'histoire de l'apparition du monasticisme sur les rives du Nil remonte à l'époque de la propagation du christianisme en Égypte. Le monasticisme est un ensemble de croyances d'ascétisme, de prières, d'isolation et de choix d'une vie de pauvreté. En accordance avec les paroles de Jésus-Christ, « Si tu veux être parfait, va, vends tes possessions, donne aux pauvres pour accéder au trésor du paradis. » Le moine est un homme dont le cœur est rempli de l'amour divin. Le père Antonius est considéré comme le premier moine et comme le fondateur du monasticisme. Dans cette montagne, le saint a habité pendant des années dans une grotte afin de se soumettre à une vie de solitude, de prière, de jeûne et de piété. Il est étonnant de constater comment l'intervention divine a façonné ce lieu dans la montagne, procurant un puits naturel pour boire. Ainsi que des palmiers pour qu'ils mangent de ses fruits. Après avoir pris connaissance de l'histoire de ce saint, des moines de tout horizon l'ont rejoint et lui ont demandé de fonder à cet endroit un lieu de résidence et de prière. Saint Antonius accepta et en leur donnant des règles et des lois à suivre, fonda alors ce qui est connu sous le nom du monasticisme antonien. Ce fut le début de la fondation du monastère au IIIe siècle. Le monastère de Saint Antonius est situé au pied de la montagne La Majesté, appartenant à la chaîne de montagnes La Majesté de l'Est, face à la ville de Banny Swift. À une altitude de 412 mètres, face à cette chaîne, se trouve une autre chaîne de montagnes, la Majesté de l'Ouest, séparée par la vallée Orba. Étant donné l'importance historique et religieuse de ce monastère, le Conseil suprême pour les Antiquités a mis en œuvre un grand projet de restauration des monuments du monastère en deux phases. La première phase s'est étalée sur 3 ans, de 2001 à 2004, et a permis la restauration des hauts murs ceignant le monastère. Après avoir analysé les matériaux originels de la construction dans les laboratoires du Conseil, du calcaire, de l'argile et du sable, l'entreprise de restauration a dans un premier temps consistait à injecter ces matériaux dans le corps du mur, de manière à le nourrir et le renforcer. Les pierres détruites dans le corps du mur, impossibles à consolider, furent remplacées par des autres similaires. En absence de porte ou d'ouverture dans le mur du monastère lors de sa construction, il fallut trouver le moyen d'entrée et de sortie des moines ainsi que des provisions. Le système consistait d'une roue placée dans une grande chambre et munie d'une longue corde qui passait à travers un trou dans le mur et grâce à laquelle on faisait monter ou descendre les personnes ou les provisions. Les plafonds en bois et les fenêtres furent également restaurés, ainsi que le corps de la roue.
en remplaçant le bois abîmé par un autre similaire. De la même manière, l'escalier menant à la roue partiellement démolie fut restauré. Le Robatea est une construction gigantesque composée de 3 étages, construite au 6e siècle, attachée au monastère. Le Robatea, un mot tiré du syrien Rabita, signifiant le représentant, servait à désigner le directeur du monastère. À l'intérieur du Robatea se trouve la table historique sur laquelle se retrouvaient les moines pour manger. Cette table fut également restaurée à l'identique, et les fondations du Robatea furent renforcées pour éviter leur effondrement et restaurer la couche de démolition au-dessous du bâtiment. On trouve également, à l'intérieur du monastère de Saint-Antonius, une série de chambres destinées aux moines, appelées kalayat. La restauration de ces pièces a consisté à enlever tout élément intrus à la construction originelle, tels que les bâtiments en briques modernes, les réseaux sanitaires, ainsi que les fenêtres modernes.